Let's do. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, j'ai fait un wet look, genre voilà. Ces mèches viennent de Alibel Air. Wow. Donc je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie. C'est des Water Wave. Donc Water Wave, c'est des mèches qui sont un peu genre, vous voyez quand vous sortez de l'eau là, les boucles légèrement machin. Mais bon, je crois qu'ils se sont loupés dans la frontale, parce que la frontale, elle est largement plus bouclée que les mèches en soi. Regardez, je sais pas si vous allez voir, mais genre ouais, ça m'a l'air d'être largement plus bouclé de fou malade. Voilà, donc bon, voilà, donc vu que ce look m'a été beaucoup demandé de faire un wet hair. Donc, en même temps, là c'est mouillé, mais c'est un peu sec, quoi. Du coup, ça peut tenir toute la journée, tu vois. Donc, voilà. Et donc, voilà ce que j'ai reproduit aujourd'hui. Bon, je sais que ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Faut me pardonner, ok. J'ai reçu les mèches depuis, genre, juillet. Mais en fait, vu que je travaillais et que après je suis parti en vacances, j'ai pas trop le temps de filmer. Mais je m'en excuse d'avance. Je sais que je vous ai manqué. M'avait manqué aussi. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Alors pour commencer, on va parler déjà des dimensions des mèches. Alors j'ai des paquets de 26 pouces, pardon, et la laisse frontale de 20 pouces. Et du coup j'ai 4 paquets de mèches et donc une laisse frontale, évidemment. Comme vous avez pu constater peut-être dans mon intro, genre vous avez pu voir que la laisse était vraiment plus bouclée que les mèches. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être qu'ils se sont peut-être trompés ou ça. Vas-y, ils avaient plus de laisse, ils m'envoient une laisse plus bouclée que voilà. Donc anyways, donc tout d'abord j'ai fait une coloration, donc j'ai fait du 1.10, c'est du noir bleuté, tout simplement un bleuté intense. Et du coup j'ai fait le mélange avec de la crème oxydante 10 volumes. Donc c'est la marque Pharmavita, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle marque. Du noir, c'est du noir. Honnêtement, dans n'importe quelle marque, tu vas trouver ton noir bleuté, même au marché carrément. Donc voilà. Donc j'avoue, j'ai pas fait vraiment de mesure, j'ai pas vraiment mesuré mes quantités, mais bon, vas-y, j'ai fait à l'œil et puis. Sortie noire, en tout cas c'est tout ce que je sais. Et donc maintenant on va appliquer donc la couleur noire sur les mèches de la laisse frontale. Par contre, fais très attention, parce que si ta laisse prend du noir, c'est mort. Donc en fait, c'est ce qui m'est un peu arrivé. En fait, j'ai voulu faire genre je fais attention, et à un moment, je sais pas ce que j'ai fait, mais en fait j'ai mis la frontale sur la couleur. Donc du coup j'avais le seum monumentalement, tous mes efforts avaient été réduits à néant, et en fait je m'étais vraiment appliqué finalement pour rien, tu vois, parce que ça s'est taché quand même. Donc ensuite, alors les paquets de mèches, par contre, eux, je les ai mouillés avant de les colorer, parce que c'était peut-être plus facile pour l'application, que c'était des plus longues mèches. Je me suis dit, vas-y, je vais les humidifier et après, j'applique la couleur dessus. Vous voyez que la couleur, elle est un peu violette, mais ça, il n'y a pas de problème, genre ça va finir noir bleuté, vous inquiétez pas. Donc là, quand vous faites des couleurs en général, que ce soit du noir ou des couleurs par exemple fantasy comme du bleu, du vert, du rose, saturez bien, franchement blindez les mèches avec la couleur, et comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de manque de produits sur les mèches, et surtout avoir une belle couleur en fait, tout simplement, il n'y aura pas de tache. Après, il faut bien checker à ce que vraiment la couleur soit vraiment partout, de chez partout. Des bandes aux pointes, sinon maman a erreur, quoi, tu vois. Si le travail n'est pas bien fait, comment peux-tu être fière de toi à la fin? Pardon.
Donc tout ça, on va laisser poser. Moi, j'ai laissé poser 30 minutes, 35 minutes. Et ensuite, donc, j'ai rincé. J'ai pas mis à la caméra parce que j'ai eu des soucis pendant le rinçage, quoi. Donc voilà. Et après, là, du coup, je viens décolorer la tube, dont les nœuds de la lace frontale. Maintenant, j'applique plutôt avec un couteau, parce que je trouve que c'est peut-être un peu mieux. Et en fait, finalement, il faut quand même que le produit traverse. Enfin, quand je dis traverse, vraiment légèrement pour que ça décolore bien les nœuds. Parce que si ça traverse pas, finalement, les nœuds seront toujours visibles. Donc, le couteau, pour moi, c'est la meilleure option pour que ça pénètre juste assez. Et comme vous pouvez le constater, voilà les taches qui se sont faites avec la couleur. Sur la lace, mais ça va, ça s'est pas trop fait sur les bordures, donc ça c'est vraiment au milieu, donc ce sera camouflé par les cheveux. Donc ça, j'ai fait avec du 30 volume et de la poudre décolorante, et j'ai laissé poser 20 minutes. Ensuite, une fois que tout ça s'est fait, on vient construire la perruque. Alors, si tu veux savoir comment je construis mes perruques, je t'invite à regarder mes anciennes vidéos de comment faire une perruque avec une lace frontale ou avec une closure. Et voilà. Parce que vu que c'est une vidéo qui est dédiée à 100% là-dessus, parce que là, je vais pas vous rabâcher les mêmes choses, en fait. Tout simplement. Alors, une fois que ma perruque est construite, finie, je viens customiser ma lace frontale pour lui donner un look un peu plus natural. Parce que, voilà, quoi, si tu fais pas un truc plus naturel, comment veux-tu avoir un beau wet hair? Et donc, voilà, vous voyez la différence entre le côté épilé et le côté pas épilé. Mm-hmm. Donc, pour cette perruque, pour l'installer, j'ai utilisé de la colle à perruque Ghost Bond. C'est la colle que j'utilise, mais que je n'ai pas encore totalement expérimenté. Donc pour l'instant, je vous montre juste comment je colle, mais je ne montre pas encore comment retirer parce que je n'ai pas encore trouvé les produits qui retirent à fond. Là, quand je retire, il faut gratter ma grattée. Après, je suis rouge de chez rouge. Là. Donc voilà. Donc maintenant, là, j'ai juste passé un petit coup de vaporisateur parce que les mèches étaient tellement gonflées qu'il fallait juste que je les remouille pour redonner aux cheveux de la. Pour les replacer en fait. Et donc là, j'ai utilisé le produit en fait qui va venir faire le wet look. C'est le produit de Color Wow Pop and Lock. Donc en fait, c'est le coiffeur de Kim Kardashian que j'ai vu utiliser ça. Et en fait, dès que j'ai vu ce produit là, j'ai dit mais il faut que je l'achète. Mais j'ai eu du mal à le trouver. Franchement, j'ai marqué le produit partout, toujours en rupture de stock. J'ai trouvé par chance, c'était le dernier sur un site. Je sais même plus c'était quoi le site. Si je retrouve le site, je mettrai en barre d'infos, bien sûr. Et voilà. Donc en fait, c'est ce produit là qui va faire l'effet mouillé. Même si tu appliques sur le cheveu sec, le cheveu va devenir avec un effet mouillé comme ça. Donc c'est parfait. En plus, ça, genre, ça fait ressortir la couleur, des paillettes dans le produit. Oh, ma main a brillance. Ça peut me tuer. Donc là, vous voyez, j'avais un peu d'épaisseur dans la raie. Du coup, j'ai repassé un petit coup de pince à épiler. Et donc moi, je n'ai pas peur de brosser, machin, ça fait rien. Franchement, brosser, là je sèche légèrement en fait parce que je voulais détendre un peu la boue qui était un peu plus bouclée devant. Et maintenant, pour camoufler la lace, je vais utiliser mon Fenty Beauty Contour Kit. Donc j'ai pris c'est le Turfall, je crois. Et du coup, c'est avec ça que je fonds la lace avec ma peau pour avoir un résultat on flick, not on flick. Invisible part, and this is the final look. I look so fucking gorgeous. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous achetez le produit, n'hésitez pas à me taguer sur vos wet looks dans les commentaires Instagram. Et puis voilà. C'est maintenant la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner juste en bas pour
me soutenir, tu vois, parce que et pour surtout agrandir la famille King and Queen, et aussi activer la cloche, parce que pardon, tu auras les notifications de maman a flawless hair. Tu connais les flawless hair, les cheveux qui sont on fleek, les perruques on fleek by Gabby King. Tu vas avoir toutes les notifications avec ça, et donc voilà. Et aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. Je mettrai les liens en barre d'infos juste en bas, le lien des cheveux et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, oh, c'est ça. Non, je regarde. Pause, bitch. Shake, bitch. Word, bitch. Je fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis, ciao, bellas. And bellas. Bye, guys.